Jeudi soir, TF1 a dépassé le public soirée en prime avec le lancement, PROMETHE, les deux premiers épisodes la fantastique mini-series avec Camille Lou, Marie-Josée Croze, Odile Vuillemin, Thomas Joanet ont éveillé, en moyenne, curiosité 3,54 millions téléspectateurs. Selon Mediamentry, cela représente 19% l'ensemble du public âgé 4 ans et plus 21,4% des femmes responsables des achats moins 50 ans. Une cible commerciale dans laquelle TF1 est un petit leader. Lisez aussi le public. Le public accède à 20h. Quel score pour l'intervention d'Elisabeth Borne concernant, pour The Apprentice Adventurers, ainsi grand. En détail, l'épisode pilote a atteint 3,89 millions. Le deuxième épisode a perdu plus 700 000 téléspectateurs. Pour indiquer la disparition La Forêt Noire, la dernière mini-série lancée un jeudi soir, s'était rassemblée le jeudi 5 janvier 2023. 4,74 millions. Investigation en espèces, en dessous de 10%. Beijing Express, à son plus bas. La France 3 suit avec rediffusion la fiction, Murders in Haute-Savoie, le policier Gwendoline Hamon et Thibaut Montalembert a intrigué 2,86 millions téléspectateurs. Ce qui représente 14,3% public et 3,5% du FRD 50. Le samedi 19 octobre 2019. Première émission téléfilm détenait 4,06 millions téléspectateurs en suspense. La France 2 est retard avec Enquête en espèces 10 ans révélation, Élie Lucet fait sauter. Dixième bougie programme d'investigation La Chaîne avec reprise 3 enquêtes emblématiques. Acclamée par public l'émission. 1,86 million d'invités ont assisté à cet anniversaire. Soit 9,8% du public et 8,5% FRD 50, entre 23h06 et 12h05. Le débat, qui a suivi le programme d'anniversaire contesté 848 000 citoyens. Le jeudi 26 janvier 2023, dernier numéro, Enquête espèce, avait intéressé 1,6 million téléspectateurs. M6 suit la saison 17, Beijing Express, présenté par Stéphane Rothenberg. Épisode 5 cette édition, intitulé The Secret Choice, a diverti 1,80 million joueurs. La participation d'Étienne, un handicap d'une journée tandem des inconnus composée d'Angie et Nathalie, a ravi 10,2% du public et 20,4% FRD 50. Le spectacle est à une saison plus bas sur les trois mesures. Jeudi dernier, 1,97 million téléspectateurs ont été passionnés par l'épisode précédent. France 5 au million. Grande percée pour les films TF1 série. Qu'en est-il des autres canaux? La France 5 se porte bien avec Bay of Naples. La colère des volcans, dirigé par Tira Laurence et Thomas Marlier. Le documentaire, en rediffusion, a réuni entre 21h03.et 22h30. 1,18 million de téléspectateurs, soit 5,8% du public et 2,3% du FRD 50. Sur W9, match la Ligue Conférence Europa. Entre OGC Nice, le shérif Tiraspol commenté en direct par Xavier Domergue et Jean-Marc Ferreri. Ravi 835 téléspectateurs. Ce qui représente 4,2%, 2,6% FRD 50, juste derrière. Film, Lethal Weapon 2, a captivé 829 000 fans d'action sur les films la série TF1. Soit 4,4% public, 5,2% FRD 50. L'émission Chevalier Fiel, intitulée The Municipal Revenge, broadcast live sur C8,
remporté plus 646 fans d'Éric Carrière Francis Ginibre, soit 3,5%, 2,6% FRD50. L'arme Le Talel de 829 films, 4,4% football, Europa Conference League, 835 sports, 4,2% chevalier du Fiel, les municipaux 646 humour, 3,5% Hunger Games, La Revolte, par 2479,000 viewers, film 2,9% au Cœur l'enquête 362,000 téléspectateurs, 1,8% externo note 369, la série 1,7% dans la brume 313 films. 1,6% tatouage couverture tattoo sauveur 317, 1,5% famille agricole, clôture leur vie 291. Documentaire 1,5% 20 préférés le documentaire français 211% Jean Dujardin Loulou aux Oscars 169 0,9% Tiny House Nation Mini Maison sur mesure 167 0,8% Extraordinaire 158 Magazine 0,8% Programme Crypté 23 autres 0,3% Médiamétrie Médiamat Reproduction interdite. Tout droit réservé par Médiamétrie sur Arte. Enfin, finale de la mini-série, externo noté, a converti en moyenne 372 000 téléspectateurs devant les deux des trois épisodes diffusés consécutifs. Soit 1,9% du public et 0,2% du FRD50, mercredi soir. Le lancement de mini-série a convaincu 591 000 téléspectateurs.